Avant l'abolition de la peine de mort, les avocats accompagnaient leurs clients condamnés jusqu'à l'échafaud. C'était une tradition, un devoir pour eux. Il y a 10 ans, pour les 30 ans de l'abolition, je leur avais demandé de me raconter comment se passaient ces derniers instants, mais aussi la tension qui existait dans les cours d'assises quand la tête d'un homme était en jeu, quand sa vie était finalement dans la balance pendant tout le procès. J'en ai parlé avec Robert Badinter, évidemment, mais aussi avec d'autres avocats, ténors des assises. Robert Badinter, il décrivait ces instants avec des mots finalement très simples. L'accusé était là, derrière moi, à 1 mètre dans le box. Je sentais son souffle. Je savais que si je ne réussissais pas, je l'accompagnerais bientôt à la guillotine. La peine de mort rôdait sur l'audience, disait-il. À l'époque, les procès duraient beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui. 2 jours suffisaient pour envoyer un homme à l'échafaud. La défense avait, c'est la règle, la parole en dernier. Robert Badinter le racontait, lorsque arrivait mon tour de plaider, je savais que l'attention des jurés n'irait pas au-delà de 45 minutes. Et il interrogeait, vous imaginez la responsabilité qui pesait sur moi? Juste après l'élection de François Mitterrand, il dira d'ailleurs à sa femme, Elisabeth, il était temps, soit Mitterrand était élu, soit je claquais du cœur à l'audience. Paul Lombard, un autre avocat, avait lui assisté à l'exécution de Christian Ranucci, l'assassin de la jeune Marie Dolores à Marseille. C'est l'affaire qui donnera lieu au livre Le Pullover Rouge. Je me souviens que Paul Lombard s'était levé de son fauteuil dans son grand bureau parisien pour l'évoquer, comme s'il voulait marquer la solennité du moment. À l'époque, il recevait des crachats dans la rue parce qu'il était l'avocat du monstre. Le procès a lieu en 1976 dans une tension extrême, avec une foule qui hurle à la mort. Paul Lombard, il revivait l'interminable attente du verdict, cette attente où il était avec Ranucci, ne sachant pas quoi lui dire, ne trouvant pas les mots. Mais c'est surtout l'exécution dont il se souvenait. Elle a eu lieu en juillet 1976 à la prison des Momettes. Au petit matin, avant de mener le condamné à la guillotine, les gardiens jetaient des sacs de sueur sur le sol pour que les pas du cortège qui accompagnait le condamné ne réveillent pas toute la prison. Il y avait là un petit comité, l'avocat, quelques magistrats, les gardiens, un prêtre. Tout allait très vite, le condamné n'était pas prévenu à l'avance, on le réveillait vers 4 h du matin et soudain il comprenait ce qu'il attendait. Paul Lombard disait que parmi les gens qui étaient présents, je le cite, « beaucoup auraient voulu arrêter ce scénario hideux, mais personne n'en avait le pouvoir ». Il disait encore « je me suis approché de Ranucci une dernière fois, je l'ai tenu par le cou et lui ai demandé s'il voulait se confesser, il m'a dit que non ». 4 ans plus tôt, en 1972, c'était à la prison de la Santé à Paris qu'avait eu lieu l'exécution de Claude Buffet et Roger Bontemps pour une prise d'otage mortelle à la centrale de Clairvaux. Robert Badinter était l'avocat de Bontemps, il était présent, mais aussi Thierry Lévy, celui de Buffet. 7 minutes séparent les 2 exécutions. Voici comment en parlait Thierry Lévy. Nous étions dans un local dont la porte vitrée donnait sur la petite cour de la Santé où avait été dressée la guillotine. Elle était masquée d'un voile noir. J'ai seulement vu les 3 marches vers l'échafaud. Et il ajoutait, dans ces moments, seuls les suppliciés avaient des visages d'êtres humains. Nous autres, nous avions tous des gueules d'assassins. La honte, c'était le sentiment le plus partagé. D'autres avocats comme Jean-Louis Pelletier ou Philippe Lemaire m'ont raconté aussi cette époque. Ils étaient toujours bouleversés, révoltés par la peine de mort. C'était comme s'ils revivaient ces heures d'angoisse et d'horreur. Mais aussi, il faut bien le dire, d'adrénaline. Jean-Louis Pelletier racontait qu'un de ses célèbres confrères, Florio, plus âgé que lui, lui avait dit « Va donc plaider des dossiers de loyer impayé, tu n'auras plus de condamné à mort ». La dernière exécution a eu lieu en septembre 1977. Au Baumette. Quant à l'ultime bourreau, Marcel Chevalier, qui avait fait assister son fils aux 2 dernières peines capitales pour le former à prendre sa succession, il est mort en 2008.